fait super. Comme vous savez, le coût du transport est un facteur clé qui justifie la hausse des prix souvent des biens et des produits de consommation dans nos différents marchés. Donc il était important que l'État puisse apporter son aide en mettant tous ces matériels de transport qui sont pratiques à la disposition de nos braves mamans pour les aider à transporter leurs différents bagages et leurs différents sacs d'ignames, de bananes, de produits vivriers, des champs vers les marchés ou de marché à marché. C'est cela le soutien de l'État et c'est cela l'action du chef de l'État pour continuer de soutenir en fait ces braves femmes de l'ouvrier et c'est cela aussi le soutien du Premier ministre Patrick Taché pour apporter tout le soutien du gouvernement. Tout ceci démontre que toutes les actions, toutes les décisions que nous prenons sont des décisions qui se réalisent et qui s'opérationnalisent sur le terrain. Et donc de façon concrète, nous venons de voir tout ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire grâce aussi à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale, pour pouvoir soulager nos mamans qui sont dans le secteur de la commercialisation des produits livrés. Monsieur le ministre, on parle de combien de matériel roulant et à combien reviennent ces matériels? On parle globalement de plus de 1,5 milliard de dons global qui a été fait. Et comme je l'ai indiqué, il y a eu une première phase où nous avons distribué à Numérin plus de 700 millions de francs CFA pour aider en fait nos mamans à reconstituer leur fonds de commerce dû aux impacts des flux liés à la Covid comme je vous ai indiqué. Et aujourd'hui, c'est un montant global de 326 millions qui est constitué de plus de 163 tricycles, environ 50 broyeuses, 50 cajots qui sont directement remises à ces braves femmes pour les aider dans le cadre de l'exploitation de leurs différentes activités. Je suis Clarisse Wadi, je suis de la région du Cavali et plus précisément du département de Bolekin et je suis la présidente de la coopérative Elite. Nous sommes très heureuses ce matin d'avoir reçu tous ces dons-là de la part du ministère du Commerce et au travers de lui, l'OCPV. Vraiment, on voudrait dire merci. Merci à monsieur le ministre du Commerce pour tous ces dons qu'il nous a offerts ce matin, qui sont composés de tricycles qui sont là, des broyeuses ainsi que il y a des semences aussi, je crois. Vraiment, nous disons merci et au travers de lui, tout le gouvernement. Cela va nous permettre de faire sortir tous nos produits et permettre à toutes les femmes des coopératives qui exercent dans le vivrier et surtout dans notre département où actuellement les pistes sont impraticables à cause de la pluie. Avec tout ce matériel que nous avons reçu, nous avons cette possibilité-là de faire sortir aisément les produits vivriers pour les mettre sur le marché. Et nous disons merci, infiniment merci à l'OCPV et à tout son personnel. Merci aussi au DR du Tonkwi qui nous a permis d'arriver ici, le DR de Diokwe, ainsi que surtout l'argent de l'OCPV qui est en service à Bloréquin, qui ne ménage aucun effort pour que toutes les coopératives qui sont là-bas, qui exercent dans le vivrier, soient galvanisées et aujourd'hui pour arriver à cette étape-là. Donc cela va surtout encourager les autres coopératives, les autres femmes qui sont encore dans l'informel de formaliser leur coopérative et d'exercer effectivement afin que le marché soit fourni et que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante au niveau du vivrier. Je vous remercie. Je m'appelle Ndriaya Irène, je suis de la coopérative à l'Ouest de Dupé. Je donne, disons, merci au ministre. Encore merci à M. Doc et à l'OCPV de Dupé. Je suis contente, je suis émue, je suis très contente pour ces dons que le ministre vient de nous faire. C'est pour pouvoir travailler, à bien travailler et apporter les vivriers de la brousse en ville. Pour approvisionner la ville de Diokwe. Moi, c'est M. Bio, le président de la coopérative School Bio à Diokwe, précisément dans le Guéman. Mes impressions, vraiment, nous sommes très heureux du geste que le gouvernement ivoirien et l'OCPV a mis à la disposition de nous, les producteurs de vivriers. Vraiment, nous les félicitons et on remercie surtout le président de la République. On remercie aussi les chefs d'antenne dans les localités de l'OCPV
qui ont travaillé jour et nuit pour pouvoir nous encadrer pour qu'on puisse arriver jusqu'à la résidence de l'intérieur. Donc, Bani Georges, agent OCPV secteur Yokwe et responsable du poste d'observation du Kavali. On a trop attendu et au mieux tard que jamais. Je suis venu avec 12 coopératives, les 12 coopératives ont été servies. Je suis dans la joie et je remercie le ministre d'abord qui nous a fait confiance et qui a honoré ces femmes, ces braves femmes productrices de vivriers dans le Guémon et le Kavali. Je voudrais dire merci aussi à monsieur le directeur central qui est toujours à l'écoute, qui est toujours disponible pour sa disponibilité et le DE, le chef d'antenne des districts de montagne. Vraiment, je suis comblé. Comblé de joie pour ces femmes qui m'appellent tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, elles sont tous contentes. Vous venez de le voir. Vraiment, je dis merci à l'OCPV. Madame Gwegwe Zolé Jacqueline, je suis de Tompoui, département de Sanguiné, sous-préfecture Sanguiné. Je suis là matin pour remercier l'OCPV, pour remercier le gouvernement. Cette année, le 12 mai, j'ai reçu un tiers de 12 tonnes de la part du gouvernement et la NADE nous a remis à la préfecture de Mâ. Aujourd'hui encore, je suis là pour une tonne de mototricycle. Donc, je suis en joie. Je remercie le gouvernement. Moi, ma société coopérative s'appelle Seya Medianke. Seya Medianke veut dire la terre ne trahit pas. Dans ma société, dans la société coopérative, il y a 16 associations. Nous sommes des vivriers, mais nous sommes dans le manioc. Nous transformons Placari, Acheke, Gari. Nos produits viennent à Abidjan, à San Pedro, au Mali, comme au Burkina. Donc, matin, je suis là pour parler au nom de toutes les sociétés coopératives de Mâ. Je suis Madame Diema Céline, présidente de la société coopérative Bénédiction de Côte d'Ivoire. Moi, je suis de la région d'Abidjan. Ça nous va droit au cœur. Ça nous encourage de travailler davantage. Et je sais que ce que le ministre a dit avec le président de la République, il respecte ça. Nous aussi, ça nous encourage de rentrer en brousse, de courir, de se réveiller à 4h du matin pour aller dans des marchés pour vendre. Pour qu'il y ait de la nourriture en Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous encourage de travailler. Avec nos DG de l'OCPV, en tout cas, nous sommes très contents, nous les femmes de vivier. Et il y aura de la nourriture en Côte d'Ivoire, en pagaille. Parce que si tu as les trois roues, les structures pour aller prendre les produits, quand un gros camion va arriver pour aller descendre sur ton marché, qu'est-ce qui va t'empêcher encore? Et puis tu ne vas pas travailler. C'est le transport qui nous coûtait cher. Si on a, quand on envoie gros camions de 30 tonnes, on décharge les bagages à Guyamée, à Yopougon. Et si on a des trois roues pour aller prendre les bagages pour venir dans notre marché, ça nous va, ça, en tout cas, c'est très bien fait. Et nous qui faisons la commercialisation et la production, je pense qu'il y aura de la nourriture en Côte d'Ivoire. Ça nous encourage. Nous lui disons merci. Madame Sabi, je suis la secrétaire de Madame Chanlou, marché Cyprès 4. Donc nous sommes là, nous sommes venus ce matin pour la cérémonie qui s'est déroulée à l'OCPV. Pression, en tout cas, c'est une bonne œuvre et c'est bon pour chacun d'entre nous. Je dis déjà merci au président de la République et puis au premier ministre avec le ministre du Commerce pour le geste qui a été effectué ce matin pour valoriser les femmes et puis en plus encourager les femmes à aller encore à la production et puis aller bon champ avec tous ces strictes-là pour aller chercher de quoi manger pour venir. Je pense que c'est déjà bon.
Voilà, on leur dit merci et puis on bénit le Seigneur pour que tout se déroule aussi bien avec les femmes. Ben, je dis merci au directeur central de l'OCPV. Je lui dis merci pour toutes ces œuvres-là. Il œuvre pour ces femmes. Il se bat pour ces femmes. Nous lui disons merci. Au nom de ma présidente, Madame Chong, je lui dis merci. Que Dieu le bénisse davantage. Je pense que la chèreté de la vie, tout est en train de rentrer en ordre. Parce que la fois dernière et aujourd'hui, il y a déjà une différence. Donc nous pensons que ça va et ça va s'améliorer. Donc, nous disons merci à tout le monde. Moi, c'est Madame Tendebeo Sarata, la présidente de la société coopérative Badéan de Soribadou, département d'Akoupé, région de la Main. Nous sommes spécialisés dans la production, la distribution et la commercialisation des produits vivriers. Nous sommes satisfaits du geste que le ministre vient de faire. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très contentes de pouvoir recevoir au moins les tricycles pour nous aider à transporter nos produits Bosch jusqu'aux différents marchés, jusqu'aux différents sites de collecte. Au fait, vraiment, je remercie le gouvernement. À sa tête, le Premier ministre, M. Patrick Hachi, et au président de la République, M. Alassane Ouattara, pour tout le geste qu'il fait pour les femmes de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on vous dit merci, on vous dit le chapeau, et on vous demande de continuer de nous aider, parce que maintenant, les temps sont devenus vraiment très durs. Les temps sont devenus très durs, les intrants sont devenus très chers. Donc, pour pouvoir financer quelqu'un pour nous aider, c'est vraiment... Pour pouvoir produire, c'est pas facile. Ce qui fait que les prix des denrées haussent. Mais si on a eu la baisse des prix des intrants, c'est peu que les prix diminuent et que tout le monde soit satisfait. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Le message que je voudrais donner au directeur central de l'OCPV, je ne sais pas ce que je vais lui dire si ce n'est pas merci. Merci, 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 encore merci.